Allez, on retrouve Simona Manar, la Roumaine, pour la poutre. Avec un salto avant. Ah, c'est dommage. Et un dixième de pénalisation. Mais les Roumaines sont très stables en général à cet agré. Oui, Andrea Raducan, vice-championne du monde. Un flic-flac, salto tendu décalé, salto tendu décalé. C'est une véritable école roumaine, la poutre. Qui a commencé avec Marta et Bella Caroli. Et Nadia Comaneci. Je crois qu'ils ont montré la bonne direction. De nouveau un salto avant, elle a du mal oui. En réception, cette jeune fille, aujourd'hui. Je l'ai vue bien meilleure. Un saut changement de jambe suivi d'un flic-flac poisson. Puisque le travail proche de la poutre est obligatoire. Il est évident qu'aujourd'hui, elle ne domine pas cet agré. Flic-flac, flic-flac, double salto arrière, pile. Et elle s'est bien rattrapée sur la sortie. Elle s'est bien rattrapée, mais elle a eu un peu de mal, Simona Manar. Dommage. Cette grande championne